Salut YouTube, c'est Sean Kazma, j'espère que tu vas bien. On est back aujourd'hui, messieurs dames, toujours sur Gears of War Ultimate et je suis tout seul. Et oui, t'es tout seul. Non, je suis là, y'a pas de soucis. Ça va, Squall Alex? Ça va, tranquille. Voilà, on continue directement notre aventure. Voilà, notre bécane est tombée en panne sèche. Voilà, y'a plus de. Et le moteur a explosé, voilà, directement. Donc, on se retrouve dans la forest. Jusque-là, ça se passe bien. Les panneaux n'affichent absolument rien. Bah, bien sûr, parce qu'on est dans un jeu vidéo, j'allais dire, mais non, c'est pas un argument, parce que 1000 jeux t'offrent des panneaux lisibles. Et encore plus, genre, il y avait déjà des jeux sur NES qui offraient des panneaux lisibles. Là, il y a que dalle. C'est de la merde. Bordel, je vais écrire Dom. Je vais écrire bienvenue chez Dom. Ah oh non, attends, t'écris vraiment? Ah non, ça se voit pas, c'est dommage. Ah, attends. Ah, attends, ça bouge. Je vais écrire Dom. Comment j'ai écrit Bob? J'ai écrit Bob. Ouais, vas-y, laisse tomber. Ah, j'ai écrit BG. B. Et ouais, vas-y, laisse tomber. Bon, alors, acte 3. On progresse tranquillement, mais sûrement. Toujours à la recherche du 100%, même si c'est. Oh, mais je me rappelle, c'est optionnel. D'ici. Ah oui. Ouais, oh, et non. J'aime pas cette phase parce que quelque part, elle est vachement bien foutue. Et en même temps, elle est chiante. On est d'accord qu'il y a plus de krill ici. Hein. On est d'accord. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il y en ait plus. Pourquoi il y en ait plus? Bah on est loin de la ville, peut-être que c'est que dans la ville. Tu penses qu'ils se mettent que en ville en mode les bâtiments c'est des ruches? Ah c'est pas mal. Ouais, maybe, ouais. Par contre il y a un truc qui est vachement bien sur cette version. Parce que je rappelle que moi je l'ai pas faite, donc du coup je compare à la version originale. C'est que la version originale elle est ultra creepy et sombre. Là ça va. Ah bah oui. Là c'est humide mais on voit. Par contre on aime quand c'est humide. Attention, ils sont très imprévisibles. Super, on va se marrer. Donc on a des rebuts irradiés, ok. C'est ça. Rappelle, ils crachent du pu. Ça veut dire quoi ça? On les voit. Ah non, c'est peut-être pas ceux-là, je confonds peut-être. Ça c'est clair. Bah non, attends, les rebuts irradiés, c'est. C'est genre ceux YouTuber. Qui sont un peu. Non, mais c'est genre ceux qui sont un peu vert fluo là. Bah ouais, c'est ça. D'accord. Non, mais sérieusement, genre tu t'es dit, tiens, je vais tronçonner une planche de métal! Fais-la ouvrir par Jack. T'es d'être con, hein, Phoenix. Inutile. Ces portes sont trop épaisses. Oh, il est deg. Boubou, pleure pas. On est dans l'usine, mais l'entrée est bloquée. Bien reçu, Delta. Désolé, je ne vois aucune autre solution sur l'écran. D'accord. Ça ira plus vite en se séparant. Bah, bien sûr, et comme toujours. Vous allez par là. On part à droite. Contactez-nous si vous trouvez une entrée. Ouais, franchement, c'est pas une bonne idée. Je suis d'accord. On a été d'alliance en con, Gus. Maintenant, on y va. Bien, lieutenant. Allez, Cole, on y va. Respect my authority. Il oubliera pas. Oh yeah. Je me rappelle pas que Cole, il était aussi militarisé. Genre. Oui, chef, bien chef, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah écoute. Non, mais pour moi, genre, Cole, c'est. C'est le groove. C'est l'humour, c'est la passion, c'est la joie, c'est l'amour, c'est le sport. C'est le sport. C'est le sport. C'est le gras, c'est les muscles. C'est la pression entre les gros orteils. Ok, c'est scripté. Yes, connard. Au passage. Horrible. Ça fout les jetons. Mot de passe. Ah, le casse-couille. Péripatétique tienne. Non, c'est pas sympa. Pas le mot de passe. Okay. Non, c'est pas le mot de passe, non. Oh là là, oh t'es beau toi. Ah, vous êtes mignon aussi. Il bah, ça va, bon, si y a que les rebuts. Si y a que les rebuts, ça va. Bon là, on va peut-être éviter les câlins par contre. Est-ce que ils explosent? Ouais, ils explosent. Je me rappelle pas. Ouais. Wow. On en a aux pattes. J'ose pas trop. Attends, je vais essayer quand même. Enfin, je vais essayer d'essayer. Wow. Ouais, je l'ai eu. Je l'ai eu et tu peux les tronçonner. Ouais, d'accord. Tu peux, mais évite de le faire quand t'es en plein milieu d'un bordel. Yeehaw. Je passe entre les essaims d'explosion. Oui. Deus Macasma. Deus Macasma. T'es où? Je suis là. Ah, pardon. Ah oui, pardon, excusez. J'ai oublié que lui il avançait et que moi je faisais le reste.
42. Hein? Ah oui. Oh là là! Le chiffre. Donc c'est par là, obligatoirement. Nous devons trouver un moyen d'appeler. Oh, l'eau! Ah non, elle est dégueulasse. Non, j'ai rien dit, elle est dégueulasse. Non, elle est claquée. Non, elle est claquée. On est d'accord. Je veux bien défendre un jeu, mais là. Le jeu est honnête. Le jeu est très honnête. Le jeu est honnête, ça. Bah, après, par contre, on va prendre une claque quand on va jouer au 2. Dans le sens où, vu que le 1 était remake. Il y a un truc 2, rouge là. C'est-à-dire qu'il y en a une par là. T'as trouvé? Oh! Non. Je te cover. Je trouve que c'est tout au bout la plaque. Ah bah voilà, je l'ai trouvé. C'est bon? Ouais. Bien joué. Ah ah! Ça s'appelle le talent. Encore une et puis c'est bon. Et tu veux que je t'annonce quelque chose? J'ai regardé avant de commencer du coup cette VOD. Et on aurait dû avoir. Tricher. 10. Non. Je voulais savoir, on en était à combien et si on en avait loupé. C'est ça que je voulais regarder. D'accord. J'ai regardé ce qu'on avait eu avant. Et je t'annonce que normalement on aurait dû terminer l'acte 2 avec 18 plaques. Il y a peut-être un générateur externe. On en a oublié une. Oh, c'est bon. Je te promets, si on fait un 29 sur 30, je pleure. Non, vraiment, c'est déjà ce que j'ai fait à l'époque. Par contre, on peut pas monter. Ah, il faut du courant peut-être. Oui. Elle l'a dit, du coup. Ce qu'elle vient de dire. Oui, pardon. Oui. Pardon. Tu n'écoutes pas. Excusez. Mon cher. Mais si, mais j'écoutais sans écouter, comme d'hab. Comme d'hab. Happy bouton. C'est bon. Des bisous et Kazmaï, bonjour aux personnes qui nous rejoignent. Bienvenue, on joue à Gears of War Ultimate. Salut, j'ai désolé. Je repars journée du Kazma. On suit pas trop le chat, mais c'est vrai que là, entre nous, c'est un peu difficile. Vous en voulez pas. Mais je suis deck par contre, là-haut. M'en fous, je vais quand même essayer de les récupérer. Tous. Oh. Tous. Non, par contre, et ça m'étonne, ils ont dû en rajouter. Il y en a pas 30 des plaques, mais il y en a 33 en fait. Hein? Bah, tu viens avec moi, toi. Mais tu m'as TP. C'est chiant cette épée à répétition là. T'as qu'à me suivre. Ouais, et du coup, il y a 33 plaques. Donc, moi je considère qu'on a le droit à 3 fautes. On essaie d'en avoir 30. Allez. Ok. Mec chaud. On se rattrape comme on peut. Bah ouais. Non. Alors ça se passe à l'intérieur? Bah c'est sombre. Désert, sombre, humide, froid, glacial, difficile. Cole, on a. Je suis au foutier. On a attendu au moins 2 minutes. Oh l'autre. Intelligence. Donnez vos coordonnées. Sous-sol. Un vrai dépotoir. Mais attends, mais t'es parti à l'opposé, toi? Ici Delta, on entre. Bien reçu. Explorez l'usine, trouvez la salle de contrôle des wagonnets. Les wagonnets. Je les utiliserai pour vous mener dans la mine. Delta, ne perdons pas de temps à papoter. Trouvez cette salle de contrôle. Surveillez le croque-mitaine, hein? Essayez de nous rallumer les lumières. Terminé. J'annonce avoir trouvé la suite, donc t'es où en fait? Bah... à la suite. Ah ah. Un peu pré-émotionnel ça. Oh. Sympa les toilettes, eh. Dis donc. Ah, c'est animé ici, hein. Mais attends, mais il y a un bouton. Ah, mais il est parti de l'autre côté, ok. Ça s'ouvre pas. Faut taper? Bah, moi de mon côté, ça s'ouvrait. Bah, moi, il y a un bouton, mais il fait rien. Ouf! Oui, t'as vu? Bah, alors, la branlette, hein. Tout de suite. C'est mortel, hein. Bah, écoute. Il avait le droit d'être constipé, hein. Qu'est-ce que tu veux? Tout de suite, la branlette. En fait, moi, j'avais une porte, mais elle s'est juste pas ouverte, quoi. Super. J'adore! Bon, il me faut un pompe là. Parce que là, avec des couleurs aussi exiguës, bon. Je ne la sens pas. Je ne la sens pas. C'est très la froid. D'heure. Tintin! Oula. Oh nom. Nam. Mais attends, c'est un souvenir ça. Ah, attention aux épileptiques. Ah ça je connais bien, ça c'est le menu Happy Meal. Ah ouais. L'Happy Meal du lendemain. Je croyais qu'on avait dit qu'on arrêtait. C'est ta faute. Ah non, là, moi j'ai rien dit. Tout ça c'est ta faute.
Pardon. Je vais pas respecter les morts. Hein? Quoi? T'occupe. Comme d'hab, fais le bonhomme et ferme ta gueule. Hein? What? T'as déclenché un truc? Ou c'est moi? Ouais, j'ai ouvert une porte. Ah d'accord. Parce que moi aussi j'avais un bouton. Bordel. Je rentre sur la piste. Eh, c'était moi qui le faisais ça. Dis donc. Je suis prêt. On cherche la salle de contrôle des wagonnets. Elle est où? Faut descendre dans l'usine par cette porte. Mais c'est fermé. Et si tu voulais nous aider à l'ouvrir? Hein? Moi? On part pas alors? Patience. Allez. Bordel. Ah, un bordel de plus. Non mais vraiment, genre, YouTube, amuse-toi à compter les bordels. C'est très drôle. Ici, il y a beaucoup Delta, de bordels. On continue selon le plan. Mais un paria nous a rejoint. Sérieux? Tu me bloques? Demande-lui s'il a vu des géobos. Des géos quoi? Pour notre taco. Merde, continue à chercher cette salle de contrôle des wagonnets. Terminé. Lui va mourir 100%. Il va récupérer. Oui, on est d'accord. C'est quoi un géobot? C'est un robot? Non, je pense que c'est une pièce de véhicule. Ah. Ah oui, on s'est un peu arrêté sur place. À vous. Surveillez l'aération. Bien reçu. Oui, d'ailleurs, c'est pas par passion qu'on est là, on est juste là parce qu'on a. On a calé quoi. Ouais. Les signaux GID sont faibles. Des égouts? C'est dégueulasse. Par contre, il me stresse le petit vieux là derrière avec son flingue. C'est bon pour ta santé. Genre toi tu fais un pas, lui il en fait 3, tu vois, c'est un peu chiant. Ouais, ça file aussi des maladies. Il est trop large pour lui. Terminé. Et tu fais quoi? Bah j'écoute les dialogues. Non mais, tu passes tout autour du petit rond-point. Bah ouais. Salut les gars. Ah, ils sont en dessous? Ils sont en bas. Hello. Ça, va, okay. Ça aurait été marrant, tu vois, qu'on soit à 4 là et qu'en gros ils soient vraiment en bas. C'est la fête là-bas. Est-ce que Gears of War est jouable à 4? Je crois pas, hein. J'ai un doute du coup maintenant. Enfin, à 2, sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas un mode à 4 en ligne, ça se trouve? Non. Ah si, peut-être. Hein. Peut-être. Parce qu'à tout moment, il y a toujours 4 persos. Sauf quand Carmine, il... Paix à son âme. Paix à l'âme de Carmine. Carmine... Carminus... Ah aïe. Oui, toi aussi, c'était un peu nul ce qui s'est passé là. En fait, leurs explosions, elles sont un peu nulles, donc ça. Ouais, c'est ça. Bon, tant qu'il y en a qu'un qui se prouche. Après, si c'est la famille qui se prouche, on va commencer à se méfier, quoi. On encadre le bonhomme avec son fusil là. Comme ça, s'il meurt, on récupère. J'ai trouvé un tournevis. T'es fier de moi? Eh merde, je suis tombé. Eh bah, moi non, tiens. Comment ça se dit que je suis pas tombé d'ailleurs? Ah, mais il est mort lui. Bon, bah, écoute, moi le scénario a voulu que je ne tombe pas. Ça se passe en bas ou pas? Tranquille. Écoute, je te laisse profiter. Non, j'arrive. Allez, j'arrive. Ah. Bah, attends, je peux même pas tomber en fait. Ah, pardon. J'avais pas vu. Ouais. Alors là, faut trouver les planches sur lesquelles tu peux tomber et d'autres où tu tombes pas, quoi. Oh. Oh. Tu devineras jamais ce que j'ai trouvé en haut. Essaye de trouver un moyen de faire remonter. Ah, attends, il y a plus important là. Sérieux là? Bah écoute. Je suis ton coéquipier, je suis ton phare d'armes. Alors. Non, j'arrive. Je suis tombé. Ça te va comme réponse? Le pire c'est que ça tremblait et je me suis dit bon bah allez on y va hein. Franco la saucisse. Attends, il y a pas une échelle? En fait, c'est juste de la résistance, quoi. Mais il y a une porte, là, t'es sérieux? Mais moi, je suis plus occupé à survivre, en fait. Tu prends l'échelle qui est là, et tu remontes. Et on recommence. Et ça continue encore et encore. Nya! Bonjour.
Et les escades. Hey, eux, ils prennent quoi? Ils prennent des échelles, ça rigole. Des échelles, ça rigole pas. Attends, ils suivent là? Non. Mais on peut pas tirer ici donc. Ouais, ouais. Chargez les armes. Mais c'est facile, ça se casse. Alors, oui et non, parce qu'en fait, je me disais aussi, genre, t'en as, ça se voit plus que d'autres. Bah, pas tant que ça en fait. On a certains, c'est pas si voyant que ça. Bah si, en fait, t'as des... Ah bah non, attends. Non, ah, t'as un truc rouge, là. Du ouais, coup, tu fais quoi, ta plaque? Bah oui, je l'ai récupéré. Je te dis que j'étais occupé à quelque chose de plus important. Ouais, mais tu as déjà dû l'avoir. Vu que monsieur avait déjà joué avant, apparemment, hein. Oui. Grenada. Non, je te laisse. Bah, t'es où? En avant! Hey, je peux? Allons botter les culs. Bien sûr, tu peux. Toi d'abord. Merci. Comme ça, si tu tombes. Oh! Mais attends, mais je suis en train de penser à un truc, les wagonnets. Il y a un truc dans ce niveau qui est génial, je crois. Ah! Bah, on a trouvé les wagonnets. Les wagonnets. Oh oui que j'aime les wagonnets. Ah bon? Ça se casse la gueule au-dessus. Les wagonnets filent? Peut-être. Eh, moi j'aime pas les tableaux. Hein. Chacun sa passion. Tu préfères les tableaux ou les wagonnets? Voilà une vraie question. Vous êtes plutôt tableau ou wagonnet dans les commentaires? Très bien. Alors par contre, le coup de trophée devant le nez, bof. Ouais. Le pont, je suis moyen convaincu en vérité. Enfin, avec eux en tout cas. La musique, elle s'énerve beaucoup, je trouve. Pour rien. Calme-toi, la musique. Reste cool. Eh, viens voir, c'est pas ultra creepy. T'es où? Ah! Ouais, regarde devant toi la chaise là. Avec la lumière, ça fait pas ultra creepy? Il y en a souvent des chaises comme ça. D'accord. Visiblement, ça l'a pas gêné plus que ça. Non, pas trop. C'est une chaise quoi. Ouais, mais genre avec la lumière et tout, genre ça faisait pas un peu. Je sais pas. Un peu. D'accord. Je vois. Oh, oh mon dieu, une chaise. Mais non, mais genre Qu'est-ce qu'on va faire? Non, mais genre, tu sais, t'as pas l'impression que c'était un piège? C'était tout une piège. Oh, il t'es putain de fioul. Pourquoi je te parle? Attends, mais c'était une chaise, putain. Pourquoi je te parle? Vous êtes tout beau. Oh, vous êtes tout beau et parfumé. Ah, mais oui, on les a retrouvés. Les chouchous. Quel délicieux parfum. Vous avez rejoint Bird et Cole. Perfect. C'est pas la suite. Attends, vous êtes tous les bah copains non, là. C'est d'où ils viennent ça. Ah d'accord. Ok. Et oui. Allez hop. Creuse un tunnel, oui, creuse un tunnel. Un tunnel puis d'autres tunnels. Vite. Avant que les rebuts reviennent. Ok. C'est très la fouille. Merci de garder votre papate en l'air. Et bonjour aux Kazma qui nous rejoignent, bienvenue. Merci de garder les bras et les jambes à l'intérieur du wagonnet. À l'intérieur du wagonnet. Pendant toute la fouille corporelle. Et même après. Viens, 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 viens. Ah mais c'est un méchant. C'est pas un gentil, ça c'est sûr. Oui. Non mais il y avait pas de lumière et puisqu'on affronte des rebuts depuis 3 quarts d'heure, je me disais bon bah... Voilà quoi. Ah ouais. Je sais pas trop vers où je m'enfonce. Je crois que j'avance. C'est ce qui compte hein, il paraît. Tant qu'on est heureux dans sa vie et qu'on avance, il paraît que c'est le plus important. Je vais passer à côté d'un mob. Ah t'es là. Tu viens de passer à côté d'un mob. Ah non c'est Bird. Bird. Non c'est bon, je l'ai tué après. Et Bird il s'en balèque. Par contre, je capte pas trop vers. Ah, j'ai trouvé.
J'ai trouvé la suite. Je répète. Attends, il y a un boomer. Il y a des boomers. Quelle porte? Une porte qui est là. Rata! Meurs, papy! Papy! Ouh. Ok, ok, ok. J'ai mal rechargé. J'ai mal rechargé. Je suis coincé. J'arrive pas à faire demi-tour. Mais vous êtes où? Moi, je suis loin de vous. Mais pourquoi en fait? Genre, je me suis promené en trottinant. J'ai même pas genre couru. Hein. Alors, comment ça se fait que je suis genre devant, à 1000 km devant vous? Je sais pas. Mais vous êtes où? Je cherche ma bouteille d'eau. Mais. Mais venez! Écoutez, moi je suis avec Jack, ça se passe. Elle était là tout à l'heure. Je deviens fou. Sa bouteille d'eau est plus importante que son équipe. Bah, je sais pas où vous êtes. Bah, je vous TP. Hein. Enfin, je crois. J'essaye. Pour la peine, bah, je prends pas les munitions. Voilà, parce que je suis fou. Oh! Ah, j'ai TP toute la team là parce que bon. Grave. Ah, c'était chaud. Prenez tous des munitions. Ça, oh oui! Ah oui, ah oui, ah oui, tu te rappelles, tu te rappelles, tu te rappelles, tu te rappelles. Oui, mon capuchef. Tu te rappelles. Et d'abord, c'est Kim Pichef. On y va. En l'honneur de Kardashian. Tirons pour Kardashian. Non, juste pas mes munitions. Je suce pas mes munitions. Oh, un high shooter, trop bien. T'aurais une musique entraînante là pour nous? Ouais. Je vais mourir. Bah, tu vas au four là. Non, c'est bon. Ah oui, oh là là, va falloir qu'on se dirige et tout. Ah oui, faudra tirer sur des panales. Des panales de couleurs, genre vert, rouge et tout. Ah ouais, pour le moment, il y en a. Oui, oui. Non, mais attends, mais je me rappelle mieux que toi, sérieusement là. Ah, je vais mourir. Lol, je vais crever. Grave. Il m'énerve. LOL, je suis mort. D'ailleurs, même chose, en mode de difficulté le plus difficile, c'est vraiment un passage qui est affreux. Oh. Bon, là, on n'a pas beaucoup d'ennemis, mais en vrai, il y en a beaucoup. Vous croisez normalement un Squall Alex qui passe. On dirait une attraction. Eh oui. Oui. Regarde, les montagnes russes. Wouhou. Ah, je suis Quincy. En fait, ça sert à rien de tirer sur les méchants. Moi, j'ai une petite descente. Oui, je l'ai eu aussi. Mais oui, mais ben oui, les méchants, ils servent à rien. Hein. Eh, si j'avais su, j'aurais gardé mon sniper. Bah, on a couvert, donc, de toute façon. Bah, c'est ça, genre, ça sert à rien pour l'instant. Bon, écoute, ça se passe, hein. Ça se passe tranquillement. Tranquille. Hein. Profite de l'attraction. Ça va, sinon. Bah, je peux me mettre debout. Ouais. Fais gaffe, à un moment on va te demander de baisser la tête. Non, j'en sais rien, mais je le vois bien. Eh, hey, mais depuis tout à l'heure, en fait, c'est ça qui me perturbe. T'as pas cette impression de Batman Arkham? Depuis qu'on est dans l'acte 3, il y a un. Je sais pas, j'arrête pas de penser à Batman depuis qu'on est ici. C'est dingue. C'est un peu les jeux de cette époque aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Enfin, je pensais plus en termes de background, mais. Bon, bah, il y a eu un bug. J'ai plus mon chariot, je suis sur les voies. Ah, c'est pour ça que je voulais pas te... quoi? Mais what? Ok. Ok, bon. J'étais sur les voies pendant un moment. Je t'ai même pas vu. Ouais, bon milieu. En fait, je peux me déplacer, c'est trop bizarre. Ça sert à rien de tirer. Comment ça, tu peux te déplacer? Bah, je suis hors de mon wagon. Et après, ça me re-téléporte dans mon wagon. Et je ressors de mon wagon. Et je remets de mon wagon. Et bah, c'est délire. Trop bizarre. Bah, tu verras sur ma VOD. Ça va? Tu es vivant? Ça va, il est juste. T'es un peu mouru? Ah non, c'est Bird! Enfin, c'est Bird! Un tour? Et les autres? Contrôle, ici Delta! Vous me recevez? Affirmatif. Vous y êtes presque. Les plateformes de forage sont dans la salle cœur, tout droit. D'accord. Perfect. Ouais. On y va alors! Allons-y. Qu'est-ce que vous? Ça, je prends. Eh, mais attends. Ah non, je croyais que j'avais Shurav les munitions qu'il y avait de ton côté. Mais sérieux, un Jdoun ? Ah, ma bouteille d'eau était juste là en fait. Il m'agace.
Attends, il y a trop d'espace chez nous. Il y a trop d'espace et il y a pas de lumière. Ouais. Mais ma mère pourrait te buter. Oh, eh, ça attaque chez toi. Ah ouais, non, j'ai vu juste un mob, ça va. Oui, j'ai dit ça attaque, j'ai pas dit c'est vénère aussi. Faut quoi, faut appuyer en même temps? Non, je pense juste que voilà, ça avait bugué. Eh oh, les sacs à pupe. Hop là. Hop là. Ça se passe, hein. Ça se passe. Je pense qu'on a pas pris la même route, mais juste pas. Ben, on a pas pris la même route. Ouais, depuis qu'on a été séparés avec... Ah oui, moi je suis avec Berbe et toi t'es avec Cole. Mais on se colle depuis tout à l'heure. Ah, LOL, tout seul, hein. On se colle. Ah, je suis tout seul, hein, Cole, il est pas là. Hein. Ah bon? Ah mais moi non plus j'ai Berbe. Mais... What? Attendez, Delta. Oh, c'est chiant par contre cette épée là. Comment ça tu nous montes les plateformes? Genre t'arrives à activer des trucs à distance? De qui? Madame là au téléphone? Ouais, Anya là. Elle a dit elle nous monte les plateformes. Après on est dans le futur, hein. Regarde, tout ça c'est, ça paraît méca, mais en fait tout ça c'est géré par clé USB. Hein. Y'a une clé USB sur un ordinateur portable qui est par Toshiba qui fait fonctionner toute cette machinerie. Oula, j'ai un gros moi qui monte toi aussi sûrement. Ouh, oh il m'a mis cher moi. Il m'a mis très cher. Je voulais faire du face à face, mais finalement, peut-être. Mange, papy! Perfect. Bouillard. Mange-le. Vas-y. Perfect time. On l'a eu en même temps. Ça s'appelle le talent. Ou la cohésion d'équipe, au choix. Merci, Anya. Merci, Anya, d'avoir fait tourner une clé USB sur un ordinateur Toshiba à l'autre bout du monde. Incroyable cette technologie. Station de pompage et installer le résonateur. Avant l'aube. Évitez d'être là quand les krills sortiront. Tu vois qu'on n'est pas venu que pour chercher une pièce pour le véhicule, on est venu aussi pour ça, mais pas que. Ah, donc on était bien arrivé. Pourquoi ils se sont énervés alors que la. Parce qu'on est garé 100 mètres trop loin et que les mecs qui portent des armures de 8 tonnes et demi, c'est lourd à porter. Regarde. T'as entendu le sol s'écrouler quand il a posé le pied ou pas? Non. Ah, on est sous terre, sympa. Sympa, ça sympa. Pue, ici. Y a de la merde de krill partout. Super. Ok, ça super, suffit. Super, y a du caca. Terminé, ça fait des blagues à base de caca là, ça va pas le faire. Ah, je vous le dis. Ah, les blagues à base de caca. Bah, on est sur la merde. Très... Oh, le niveau il augmente là. Oh là là. Là, on est sur de la blaguitude de niveau supérieur. Mais ouais, comment ça se fait que t'es déjà là-bas toi? Tu veux pas J'utilise le stick gauche. J'utilise le stick gauche. Pardon? Quoi? Ouais. Pour avancer quoi? Ah, ta gueule. D'ailleurs, je sais pas où tu vas, mais oh. Ah bah non, bah tu bah, fais y bien. En a un là, mais je l'ai déjà. Il y en a un là. Bah, prends-le pour moi. Ah, tu peux pas prendre. Oui, non, c'est vrai, en plus, je m'ai déjà dit. Ah, 20 sur 22 pour l'honneur. Pour l'honneur. Si il y avait vraiment... rien par là en fait. Non. Bah si, il y avait ça quoi. Ah oui, si, il y avait ça quoi. Si vraiment je fais. Et tu te moques de moi? Bah non. Ouais. Ouais, si vraiment on fait un 32 sur 33 ou 29 sur 30, je suis dégoûté. Merde. Vous restez ici et vous gardez la marche. On est capable de le faire, on a ce talent. Qu'est-ce qu'ils font les deux là à gauche? Regarde, ils couvrent une porte où il y a des munitions. Ils sont cons. Ça va les frères? Non, ils couvrent un mur invisible. J'ai eu un mur invisible. Quoi, y'a vraiment que des munitions? Oui! Bah, c'est sympa, ils sont sympas de nous dire où y'en ouais, a. Ils ont fait une escorte murale, les gars. Et par contre, les décors sont chouettes ici. Mais c'est pas dans celui-là où y'a une autre excavation que j'ai en tête. Oh non, c'est le retour des krill. Oh non. Oh my. Moi. Regarde, il s'est marqué sur les murs, presse touche E. J'ose pas appuyer sur mon clavier, j'ai peur de ce qui pourrait se passer. Parce que vu qu'on est en stream, bon, c'est compliqué. Rejoins-nous YouTube, description. Oui. Attends. Waouh. Oh, j'ai cru que t'allais atterrir à côté. Ça va. Merde. On a un problème ici. Cole et toi. Ah, c'est eux qui ont atterri à côté. Compris. On y va.
On se retrouve plus tard. Ah, il me tire dessus, ça marche pas. Bah ouais. Ça s'appelle l'invulnérabilité. Non, ça a un autre nom en plus, ce fait d'être invincible pendant un chargement ou pendant un truc. Le scénarium. Oui, le scénarium, oui. Ça peut s'expliquer ainsi, effectivement. Ouais, bordel. Attends, ils disent même bordel quand ils jettent des grenades. Mais bien sûr, comptez le nombre de bordels, ça fait partie du jeu pour cette aventure. Et comptez le nombre de héhé de Dom aussi. Ah, ça, c'est un objectif pour toi. Il se dit beaucoup, je trouve. Merde. Mais je veux Lanza. Hein ? Alors. Hein ? Pourquoi il y a un cri de panique là ? Pourquoi il y a un cri de panique ? Parce qu'il y avait des krill dans une salle. Attends. Mais il y a un logo rouge, donc je me suis dit peut-être qu'il y avait des plaques, mais j'en vois pas. Tu nous fais quoi le jeu là ? Tu nous indiques clairement quelque chose, alors donne-nous ce quelque chose. On te voit, le jeu, on te surveille, hein. Étrange quand même. Grave. Ah, trouvé. Nya-ha. C'était en dessous, non? Ouais, juste en dessous. J'avais regardé une première fois, mais je suis quand même allé vérifier parce que je me suis dit, c'est bizarre un renfoncement comme ça. Oula! Ça snipouille! Ça snapouille! Pour l'honneur, vous avez récupéré 22 plaques de la CGU. Ah, moi j'en ai que 21. Ok. Le petit succès diamant là, ça fait plaisir. Yes! Bah, du coup, c'est mon prochain. Ou mon surprochain. Bon, bref, j'aurai bientôt. Comme quoi, la preuve en est qu'il fouille pas bien hein, quand il joue tout seul, le monsieur. Hein. Il joue mieux quand je suis avec lui. Hein. C'est dingue ça. Bah, je pense que je voulais arriver au 2 rapidement. Pourquoi? Parce que tu préfères le 2 ou juste parce que tu veux enchaîner? Je pense que je voulais enchaîner. Après, je pense qu'il sera intéressant de savoir quel Gears of War est ton préféré réellement par la suite. Ouais, après, je pense que c'est le 3. Moi, pour le moment, je pense que c'est le 2. J'aime beaucoup certains événements du 1, mais c'est vraiment le 2 qui m'a fait. Il a fait kiffer la licence. D'ailleurs, la question peut se poser horrible. Aussi sur les Halo. Il y a plein de personnages qui disparaissent et tout. Et alors, ça les rend mémorables. Ça les rend incroyables. Ouais. Des sacrifices. De toute façon, on a déjà perdu Kim Kardashian. Qu'est-ce que tu veux perdre de plus? Elle est morte pour la street. Pour la street cred. Pour la street cred. Une larve en moins. Où il y a un gros? Ouais, un boomer. Ça donne un peu là-bas. D'accord. J'ai visé mais tellement bien. Oh, attends. J'ai esquivé. Eh, c'est un peu de la merde les lance-grenades quand même. Voilà. Enfin, en tout cas contre les boomers, c'est pas terrible. Les boomers. Les boomers. Attends, c'est la suite là-bas. Attends. Parce que moi je veux des munes. Hop là. Ah non, on peut pas y aller. Hein? C'est toi ou c'est moi ça? C'est moi. Bah tu... Je t'ai demandé de m'attendre, tu m'as attendu j'espère. Bah il y avait un ravin entre nous et le boomer donc... Bon, il y en a marre de tomber tout le temps là. Ouais, je suis un peu d'accord avec l'idée. J'avoue, on fait que tomber H24. Ouais, c'est un moment, il va falloir remonter quand même hein. J'espère que vous assumez les mecs. Un peu. Avançant, si vous arrivez les premiers à la station, vous nous guidez. Marche. Par contre, on est d'accord, oui, voilà, là, devant, c'est là en fait. Mais on passe là? Non, c'est pas là. Attends. C'est où la suite? Ah! Vous avez pas vu? Vous avez pas vu qu'il y avait des problèmes? Putain, mais ça street craint ici, wesh! Je pense qu'il faut éliminer tous les ennemis, après on pourra passer par le petit passage. Oui. Attends, ils ont pas le langage de la rue là, j'essaie de leur parler, ils comprennent pas. Here we are in the street there of the Ponctosaire. Qu'est-ce que... Ah, il s'est énervé avec le scénario, lui, il a fait péter le truc. Oh, oh là. Oh là. Waouh. Oh, c'est joli. C'est sexe, hein. C'est super beau. J'avoue, c'est super beau. Non, ça claque assez. C'est quoi, c'est du fuel? Bon, il reste un peu de temps. Bah oui.
On va devoir se séparer pour trouver la station. Non, je sais pas en fait. C'est du carburant. C'est une espèce de. Alors, ils l'extraient, ils en font du carburant, mais c'est. Allez, je te laisse à gauche. Je sais pas. Je dirais une espèce de dérivé de là, fusionner avec autre. Non, j'en sais rien. En vrai, je sais pas. La question serait de savoir, est-ce qu'on se bat pour ce truc? Ou est-ce que ça n'a rien à voir et c'est juste dans le lore? Non, là on doit scanner. Non, là oui, mais je veux dire, est-ce que de manière générale les humains se battent pour ça? Ou seulement les humains, ils, leur monde? Les humains ils se battent contre les locustes parce que les locustes, un jour, enfin eux, les humains ils ont fait leur vie pendant genre, je sais pas, des milliers d'années. Et après les locustes ils sont sortis de terre du jour au lendemain, pour péter quoi. Et les locustes, pourquoi du jour au lendemain, genre ils en avaient marre d'habiter sous terre? Après ça se comprend aussi hein. Bah ils ont dit on va dominer le monde vu que c'est notre planète, on habite dans le noyau, let's go quoi. Et sinon ça vous dit pas on partage les gars? Je sais pas si c'est possible mais ce serait cool qu'on se fasse, y a un jeu des indestructibles en coop. Quoi? Oula ouais. On en reparle parce que y a un jeu des indestructibles ouais. En coop. Ouais, d'accord. J'y avais joué sur Xbox. Pourquoi pas? Avec Monsieur Indestructible et Frozone. Mais c'est le 1 ça non? Bah c'est ça commence à la fin du 1. Ah d'accord, bah je ne connais pas. Et tu te bats contre l'homme taupe. Pourquoi pas. Non mais ça me fait penser à ça parce qu'on est sous terre. Oui, d'accord. Je me demandais quel était le rapport, mais ok. C'est tout. C'est juste pour ça. T'es pas caché, monsieur. Bon, j'avoue, j'ai pris un risque. D'ailleurs, évitons de prendre des risques parce que ça, c'est un coup à. J'ai besoin de munitions. À se prendre une patate pendant qu'on veut tronçonner et que ça se passe mal. T'as encore besoin de munitions? Bon, j'ai toujours besoin de munitions, moi je suis un mec qui a besoin de munitions. Je ne vis que de munitions, je mange des munitions, je bois des munitions. Et bonjour, bonsoir, Kazma qui nous rejoint, bienvenue, on est sur Gears of War Ultimate. Ça se passe toujours aussi bien. Et on avance tranquillement, hein, voilà. Nous sommes en plein milieu de l'acte 3. Et de la gueule, voilà. Nice. Alors, l'extérieur, certains passages ont pris un coup de vieux, par contre... ça c'est sexy. Hein, ici ça va. Sexy. Ouais, ici c'est pas mal. Ça aliase temps, même pas, par rapport à d'autres niveaux. Par rapport au premier niveau, ça aliase même pas du tout. Mais moi ça aliase pas depuis le début. Ah moi depuis le début j'ai des aliasing. Mais c'est pas la première fois que tu me dis que t'as des problèmes d'affichage, à mon avis c'est ton écran qui a des problèmes. Non pour de vrai. Peut-être. Non, le jeu a un peu du mal à fixer ses 30 FPS. Après je joue PS. Sur ma télé moi. Ah je suis pas sur une télé, moi je suis sur un écran de PC. Ouais bah ouais, c'est peut-être pour ça. C'est possible. Mais moi ça me fait plaisir parce que maintenant je peux enregistrer et jouer en 4K en même temps donc... Bah et moi donc? En vrai c'est pas pour autant que je voudrais rediffuser en 4K. Ah non bah c'est vraiment pour pouvoir avoir la qualité 4K pendant que je joue. Ah bien sûr. Je kiffe. Oula, attends. Grenada. Trop court. Ouais. En même temps on voit rien là, il manque une petite lampe torche. Ah c'est vrai qu'il manque une petite lampe torche en jeu. Petite lumière, genre tu sais, un truc sur épaulette ou quoi. Gêne pas comme ça, t'es bien. Voilà, ceci est censuré par la corporation. Dans la peau de Dominique, 20 sur 36, pardon. Quand tu joues en coop, t'as ce succès là. Dans la peau de Dominique. Ah, regarde là, on en a raté un. Bah non, il vient d'apparaître, le mur il s'est écroulé. Non, mais là. Oui, enfin, oui, je viens de voir, mais du coup. Non. On l'a pas forcément raté, ça nous dit qu'il est là quoi. À la recherche de la médaille. Où es-tu? Peut-être que c'est un peu plus avance loin. Avance pas, j'ai trouvé. Ah bah nickel. Tiens voilà, t'as besoin de munitions, une alors. Yes, ça s'appelle le talent. Aïe aïe aïe. Pour l'honneur. Aïe aïe aïe. Oh ça va. Ça veut dire voix des hommes nus. Plus de locustes à poil. Montrez-nous votre peau de pierre. Oh ce passage. Oh il est stylé ce passage. Oh je m'en rappelle. Oh là là. Gears of War, un jeu de mon enfance. Et je joue à beaucoup trop de jeux de mon enfance en ce moment. Ouais. Ouais. Oh, c'est l'araignée main. Il y a pas de rondeau ici.
De quoi? Y'a pas de rayon de l'eau ici? Non. C'est la main régnée. La main régnée. La main régnée. Tuer le corpse. Ok. Ça comment? Alors, si je me rappelle bien, il va avoir des ouvertures et tu vises les yeux, je crois. Ou la bouche. Il faut viser un truc quand il ouvre les pattes. Je sais plus quoi. Parce qu'il y a rien qui... Attends. Ah! Son bidou. Son petit bidou. D'ailleurs, pourquoi le bidou? Je comprends pas. Pourquoi les bidous? Pourquoi les bidous? Oui, gouzi, gouzi, gouzi. En fait, je crois que ça le chatouille. Les bidous! Les bidous. Les petits bidous. Gouzi, gouzi, gouzi. Et j'aurais presque envie de faire un gouzi, gouzi quand t'es sûr avec lui, hein, quand même. Attends, mais il y a autre chose à faire là. Ah, quand il ouvre la bouche, peut-être? Y'a autre chose à faire, on avance pas là. Attends. Jeter une grenade dans sa bouche. Je sais pas, j'ai tiré plus haut. Enfin, on a tiré. Non, mais j'ai l'impression qu'on arrive à le faire reculer donc. Ouais, mais en fait, c'est pas mal. Genre, vise le bidou et ensuite la bouche. C'est ça, en fait, quand il ouvre la bouche, faut tirer dedans. Il aime pas les pruneaux. Non. On est en train de le faire reculer, je pense. Ouais. Ah bon, on le fait reculer. Le bidou! Saloperie! Dégage! Va-t'en! Sors de mes terres! Boutons-le. En dehors de Rob. Hein? Oh! Tu sais que des fois j'ai l'impression que c'est game over quand je vois ça. Ah ouais, en fait il se vénère de terre d'un coup là. Et donc? Et donc ensuite on fait quoi? Ah, on se fait envahir. Attends, on se fait envahir. Ouais, mais j'ai plus de munitions là. Il y en a partout qui traînent. Attends. Y'a un truc là. Je sens qu'on l'énerve. Faut pas casser les trucs sur les côtés là. Si, y'a un truc à faire là. Ah, la plateforme. Attends, faut la tirer. Tu attires ses pattes. T'attires ses pattes. Attends. Je crois. Je sais pas, mais on dirait que c'est fragilisé comme s'il devait taper lui-même. Tiens, regarde. Tu vois ce que je veux dire? Et de l'autre côté. Ah, regarde, de l'autre côté y'a rien. Là! Mais. Aïe. Les efforts ils sont où là? Bon, je dis ça, mais je suis tombé il y a 3 secondes. Hey! En culo! Ah bah, de l'autre côté du coup. Ouais, je suis tombé à terre, je voyais plus rien. Vers qui? Bon, j'avoue, j'ai pas fait d'effort. Alors, ça a marché ou quoi? Pas vraiment. Ça a pas vraiment marché. Est-ce que juste en tirant dessus. Non? Bah alors bah, je sais pas trop. Hein. Ah attends, est-ce que les rebuts on peut pas les faire péter dessus? Ah c'est pour c'est ça je crois. T'as réussi? Ouais. Bien joué. T'as fait péter bien un rebut dessus? Bah bien joué à toi aussi, attends c'est toi qui as trouvé. Moi je savais pas que c'était les rebuts. Oui alors c'était une supposition. Hein. Bref, bien joué à nous. Travail de professionnel. Donc c'est de l'acide hein. Et bah ça fait plaisir. Et du coup on a tué un corpseur. Round 2. Oh cet artwork. Ce calme plat. Il s'en bat les steaks. Ah mais c'est royal à quel point il s'en bat les steaks d'ailleurs. Oh là là. Mais tellement badass. Juste à temps. Mais Marcus Casma Phoenix il a trop de swag en fait. Il a trop de prestance genre rien ne l'arrête. Même pas le vent. Il a dominé le vent. Il est le vent. Il a créé le vent. J'ai créé l'oxygène. Tout ce que vous respirez. Le soleil va bientôt se lever. C'est pas dans Avengers ça. Pardon. Gears. C'est rassemblement. Le soleil va bientôt se lever. C'est genre. C'est quand la veuve noire elle parle à Hulk. Ah oui. Oui c'est vrai. Mais du coup, c'est par où? C'est par, là-bas, par là? Par là? Par d'où ils viennent, non? Non. La station de pompage, elle est là, apparemment. Mais. Je sais pas. Hein. Vous êtes sûr? Il y a une grande route, un grand chemin? Attends. Bah attends, vas-y. Non, mais t'as raison, ça ressemble pas à une suite, mais en même temps. J'ai pas vu de chemin. Go voir. Écoute, j'avance. Et après, ils arrivent de là, donc je pense que. Oui, bah c'est ça qui me perturbe moi aussi, mais. Après, peut-être qu'il y a une médaille. Hein. Écoute. Non, c'est bon, t'as raison. Non, t'avais raison. Ah mais par contre t'es pas con pour la médaille.
Bon, vas-y, tant pis. Non, mais on pouvait pas accéder là-bas où il y avait les Kittner. Ah, d'accord. Non, on est un ravin. Oh la machinerie. Oh la machinasse. Ah, techniquement, c'est de la technologie humaine. On est venu puiser un truc. Enfin, je veux dire. Ah, il y a eu un bug Discord, t'es passé en mode R2D2. Ah, R2D2. Ça fait les mêmes bruits. Ok. Oh, papa. Je suis déçu. Tellement de déçu. Oh là. Oh, je me rappelle de cette phase. Je me rappelle d'ailleurs que c'était pas ma phase préférée. On en parle du fait que j'ai voulu aller à gauche et que tout le monde s'est barré à droite. Pourquoi je suis le seul qui peut pas courir au fait? C'est compris. Je sais pas. Ça vous dirait pas de m'attendre? Connard. Qui crie de loin. Tu le vois de loin là. Il va même pas dans le bon sens. Ouais, parce que je sais pas, il y a un petit ravin là. Alors je me demande si. Bon, comme d'hab. J'arrive. Allons profiter un peu du jeu. Non, par contre, ils ont bien retravaillé le jeu, hein, parce qu'il y avait vraiment des phases. Enfin, le jeu avait vieilli parce qu'il était. Ah ouais, on est d'accord. Genre le mec qui nous a tiré la langue et puis plus rien quoi. Oh, d'ailleurs, ils ont une arme que j'adore, je crois. Si c'est Kiki, je crois. Il me semble que leur arme, elle est trop bien. Hein. Ils sont pas débiles. On nettoie cette station. Merde. Y'a pas ça? Y'a pas ça de la noche d'hier? Bah, y'a pas ça de la noche d'hier. Faut faire gaffe, hein. C'est des flèches explosives, hein. Cours, Amsterinx. Cours. D'ailleurs, pourquoi je suis pas passé de l'autre côté? Moi, on aurait pu les prendre en traite. Ça aurait été tellement plus malin. Je sais pas où je vais. Ah, on va les prendre en traite. On contourne, nous. Le problème, c'est moi qui le génère. Hello. Par contre, je veux bien son arc qui a volé chez... Ah. Il a volé je sais pas où. Super. Alors comment ça marche, je me rappelle plus. Ah, hello. On a tué tout le monde ici? Alex? Oui, pardon, je suis concentré, hein. J'essaie de pas crever. Dans le pied. J'ai pris une flèche dans le genou. Dans la nuque. Ada! Avant j'étais un aventurier comme vous. Je me suis pris une flèche dans le jeu. Ah bah là, il s'est même pris une flèche explosive. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Tu veux un coup de main toi peut-être? Ah mais je croyais que c'était toi. Mais depuis tout à l'heure en fait c'est un PNJ. Bah oui. Enfin un PNJ, un IA. Bah oui. Aïe aïe aïe. On est bien. Remettez l'ascenseur en marche. Il est où l'ascenseur? Où est l'ascenseur? Bah j'utilise LB, comme ça tu vois. LB ça te dit. C'est quoi l'objectif? Ça te dit pas où il est. Remonter l'ascenseur en marche. Genre, tu vois qu'est-ce que ça veut dire? Ah, attends! Là-bas il y a un bouton. Pas ça? Il y a un bouton. Il y a one button. Oh, il y a one button. Tu sais, genre le bouton que tu vois à 4000 km. C'est ça, genre. Oh, genre tu peux pas louper le truc. Et le bouton? Elle bouton! Mamma mia! Ah, c'est bon, on va cartographier les tunnels. Merde, ouais. Il y a cartographe et cartographe, hein. Juste pour le plaisir, le mec il a pris une Pokéball, tu sais. Il attend même pas. C'est ça. Débrouille-toi, t'assumes. T'as voulu t'arrêter pour la prendre, tu assumes. Oh, ça va piquer. Ça explose? Badaboum! Ah oui, c'est une explosion électromagnétique. C'est ça, un UM. Ils ont tous le cancer maintenant. Et en fait, on a passé la nuit là-dedans. Hein. Il fait jour, on est bien. Ouais. Contrôle, ici Delta, on a réussi. Et on n'a pas du tout perdu le contact d'ailleurs. Hein. A pu être utilisé. Après un IEM, on a toujours le contact, y'a pas de problème.
Fuck la logique. C'est la technologie. Ah, vive la technologie. On tourne à la base alors ? Je suppose. Super. Je suis crevé. Yeah. On va manger chaud, se reposer. Delta ? Mauvaise nouvelle. Ça a échoué. Ah. Comment ça ? Ça a échoué ? Oula. Merde ! Allons-y ! Bah si ça fonctionnait. Attends, sois patient. Ça a pas fait assez de dégâts en fait. Ça s'est pas écroulé. Ah. Ou alors la résonance a pas appuyé assez fort ? C'est clairement cette saleté de résonateur qui a mal fonctionné. D'après Anya, il nous manque des données sur cette espèce de... sur la plupart du réseau. Il faudrait trop de résonateurs pour tout cartographier. Pas grave, on n'a qu'à utiliser ça. Et si je te pétais les dents avec, ça te dirait ? La ferme, regarde. Regarde, c'est les tunnels locustes, Phoenix. J'en suis sûr. T'as trouvé ça ? C'est apparu à l'écran quand je me suis connecté. C'était là. Phoenix, en rapport ! Anya, vous voyez ça ? Affirmatif. Baird a raison. Ce géobot a cartographié plus de tunnels que le résonateur. N'importe quoi. Dites-moi d'où viennent toutes ces données ? Mon colonel, ça vient de l'EGDE. De la maison de son père, exactement. Le père de qui ? Oh my ! Vous pensez pouvoir retrouver votre maison, Phoenix ? À vos ordres. Quel bâtard. Ah, je te jure. Tout de suite. Voilà, tu as rejoint la street. Rapidement, d'ailleurs. Quoi que tu me diras, c'était pas aussi harmonieux. Il a pas rejoint la street, je pense. Je pense plutôt qu'il avait pas le courage, donc il a pas été streeté. Il était pas streetable. Non, il était pas streetable. À peine, à peine. Passe pas. On a quelque chose sur le radar. L'état-major veut qu'on s'en occupe très vite. Et qu'on continue la progression. Ça gère. Ah, ça se passe bien. Après, ça y est, on a l'équipe de choc là. Acte 4. Rends-toi compte, en seulement 3 épisodes, nous avons déjà fait plus de la moitié du jeu. Notre victoire est quasiment totale. Bon. Bien, bien, bien. Eh, c'est bien foutu, j'avais pas fait gaffe, mais on conserve nos armes d'un acte à l'autre. T'as vu ? C'est ouais, cool, t'as ça. Vu. Bon, bah, messieurs, dames, en espérant encore une fois que ça vous ait plu. Pause. Bah, dans tous les cas, on vous fait de gros bisous, on se dit à très vite. Ciao, ciao ! Ouais ! Salut ! Allez, bisous tout le monde, salut YouTube !